Bienvenue à Professeur Board Game, je m'appelle David. Aujourd'hui, dans cet épisode de Board Game 101, on va regarder le jeu King of Tokyo. C'est un jeu qui a été designé par Richard Garfield et qui a été publié par la compagnie Yellow en 2011. Le jeu se joue de 2 à 6 joueurs et dure environ 30 minutes. Le but du jeu est d'avancer 20 points de victoire ou bien d'être le dernier monstre vivant pour remporter la partie. Les mécaniques de jeu qu'on retrouve dans King of Tokyo. La mécanique principale, ça va être du lancement de dés. On va essayer de faire des combinaisons avec les différents symboles sur les dés. On va avoir droit aussi à des relances pour essayer de faire nos combinaisons de symboles sur nos dés à chacun de nos tours de joueurs. On va aussi retrouver une mécanique de recrutement de cartes. On va avoir des cartes de pouvoir qui sont sur la table qu'on va pouvoir les acheter avec nos cubes d'énergie pour se donner des nouveaux pouvoirs aussi. Et on va avoir une mécanique d'élimination de joueurs parce que. Quand on n'a plus de points de vie, on est éliminé. C'est aussi une façon de gagner, d'éliminer tous les autres joueurs. Tout d'abord, on va placer le plateau au milieu de la table. On a deux sections sur le plateau. On a la ville de Tokyo et la baie de Tokyo. La baie va seulement être utilisée dans les parties à 5 ou 6 joueurs. Et dans ces parties-là, lorsqu'on va tomber moins de joueurs à cause des éliminations, on va enlever la baie de Tokyo et on va utiliser seulement la ville de Tokyo. Aussi les symboles ici des étoiles pour indiquer que quand on rentre dans la ville de Tokyo, on fait un point de victoire. Les étoiles représentent les points de victoire. Et si on débute notre tour dans Tokyo, on fait deux points de victoire. Et on ne peut pas utiliser les cœurs qui sont sur les dés pour se soigner. Autour du plateau, on va mettre les petits cubes d'énergie qu'on va utiliser pour acheter les différents pouvoirs qui sont sur les cartes. Les jetons spéciaux qu'on va placer ici. Les dés verts sont des dés spéciaux qu'on peut acheter avec des cartes de pouvoir et finalement on va placer les 6 dés à côté du plateau qui sont les 6 dés que les joueurs vont lancer à leur tour pour essayer de faire les différentes combinaisons de symboles. On va ensuite mélanger la pile de cartes de pouvoir et on va placer trois cartes face visible sur la table qui sont accessibles à tous les joueurs. Les cartes de pouvoir sont des cartes qu'on peut acheter avec les petits cubes d'énergie verts qu'on va obtenir avec les dés quand on va avoir le symbole de l'éclair. Le coût des cartes est en haut à gauche. Le chiffre qui est là, c'est le nombre de cubes que ça va coûter pour acheter la carte. On a des cartes qui ont le symbole pour les garder. On les place devant soi. C'est des cartes qui vont nous donner un nouveau pouvoir. Cette carte-là nous donnerait un dé supplémentaire quand on va jouer à notre tour. On gagnerait alors un dé vert à chacun de nos tours, en plus des 6 dés noirs qu'on va lancer. La carte-ci coûterait 4. On voit qu'il est écrit de défausser cette carte-là après l'avoir achetée, après avoir fait son effet. Elle nous donne deux points de victoire tout simplement. Et ici, on a une carte à trois pour se soigner. On la place devant soi. On gagne le pouvoir que si on dépense deux éclairs, on peut se soigner d'un point de dommage à chacun des tours. Quand les joueurs vont acheter une carte, on va automatiquement la remplacer avec la prochaine carte du paquet. Les joueurs peuvent aussi dépenser deux cubes d'énergie pour défausser les trois cartes. Et en placer trois nouvelles s'ils n'aiment pas les cartes qui sont disponibles. Ou s'ils veulent enlever à leurs adversaires la chance d'acheter les cartes qui sont placées dans les cartes de pouvoir. Finalement, chacun des joueurs va recevoir deux choses. On va recevoir sa figurine d'un monstre. Qui est une petite base aussi qu'on va placer pour qu'elle tienne debout. Et on va recevoir notre plateau de personnage. Qui est associé au même monstre qu'on a pris. On a deux roulettes qui sont sur les côtés. Une ici. Qui va nous indiquer les étoiles, qui sont les points de victoire. On va la placer à 0 au début de la partie. Et en bas, on a la... les points de vie, le petit cœur, qu'on va placer à 10 points de vie au départ. En cours de partie, on peut perdre des points de vie, on peut soigner, mais on ne peut pas dépasser 10 points de vie. Pour dépasser 10 points de vie, ça va être avec certaines cartes de pouvoir qu'on va acheter, qui vont nous donner la chance d'aller plus haut que 10. Si un joueur arrive à 20 points de victoire, il gagne la partie. Si un joueur arrive à 0 points de vie, il est éliminé. Si jamais tous les joueurs sont éliminés sauf un, on a un monstre qui est victorieux. Les dés qu'on va utiliser sont des dés à 6 faces. Les 6 faces sont différentes. Voici les 6 symboles qu'on peut y retrouver. Premièrement, on a les symboles 1, 2 et 3 qui me permettent d'essayer de marquer des points. Mais pour faire les points avec ces symboles-là, il faut que j'en ai trois identiques. Par exemple, si je roulé 3 fois le symbole 2, ça veut dire que je vais marquer 2 points. Si jamais j'en roulais 4... Je marquerai 2 points pour la combinaison des 3 et le 2 supplémentaire me donnerait 1 point supplémentaire. Alors, ces 4 délumes me donneraient 3 points. Même chose pour les 1, même chose pour les 3, donnerait 1 point. Si j'ai 3 fois le symbole 3, je vais faire 3 points. Les trois autres symboles, vous avez l'éclair. Chacun des éclairs va vous donner un cube d'énergie que vous allez pouvoir utiliser pour acheter les différentes cartes de pouvoir. Ensuite, vous avez le cœur qui vous permet de vous soigner. Si vous avez perdu des points de vie, vous allez récupérer un point de vie par cœur. Par contre, si vous êtes dans Tokyo, les cœurs ne fonctionnent pas pour vous soigner. Mais vous pouvez quand même vous soigner à l'aide de vos cartes si vous avez des cartes qui peuvent vous soigner. Et finalement, le symbole des, des griffes, qui est la baffe. La baffe est le symbole pour attaquer les autres joueurs. Si jamais vous êtes dans Tokyo, vous attaquez tous les monstres qui ne sont pas dans Tokyo. Et si jamais vous êtes un monstre qui n'est pas dans Tokyo, vous attaquez le monstre qui est dans Tokyo ou les monstres qui sont dans Tokyo. Si jamais on est à 7 joueurs et qu'il y a quelqu'un aussi dans Tokyo, B. Pour débuter la partie, chacun des joueurs va lancer les 6 dés et le joueur qui obtient le plus de symboles de baffe va être le joueur qui va débuter la partie. On va dire que le Gigazar ici est le premier joueur. À son tour de jeu, il va prendre les 6 dés et il va les lancer. Par la suite, il regarde les symboles qu'il a obtenus et il peut choisir de relancer certains des dés ou tous les dés, peu importe ce qu'il dessine. Alors là, je pourrais, comme j'ai obtenu deux fois le symbole 2, je pourrais dire ah, je vais essayer, je vais rouler ça. Je pourrais me soigner parce qu'au début de la partie, j'ai déjà mes 10 points de vie. Je relance ces trois dés-là. Des éclairs, ça peut être bon pour essayer d'acheter des pouvoirs. Et. On va relancer. On a le droit à deux relances. Malheureusement, j'ai 2-2, 1-3, ça ne donne aucun point. J'ai deux éclairs. Donc le gigazar va faire deux cubes d'énergie. Et comme il a une baffe, il va attaquer. Comme il n'est pas dans Tokyo, il va attaquer le monstre qui est dans Tokyo. Comme il n'y a personne dans Tokyo au début de la partie, il va prendre possession de Tokyo. Comme c'est indiqué en bas ici dans le plateau, quand on prend possession de Tokyo, on gagne un point de victoire. Il va l'indiquer sur sa roulette. Et son tour est terminé. On s'en va donc au Kraken à côté. Il prend les 6D. les lance. Hmm. C'est pas très bon. On va garder son éclair. On va décider de relancer les 5 autres dés. On va garder les éclairs. On va ensuite. Les cœurs, ça va rien. Et il a terminé. Son 2 fait rien. Il ne peut pas soigner parce qu'il est plein. Il gagne 3 cubes d'énergie. Et il a une baffe. Il fait donc une attaque. Comme il est en dehors de Tokyo, il va attaquer le monstre dans Tokyo. Le monstre dans Tokyo va donc perdre un point de vie. Le gigasaur va enlever son point de vie. Et lorsque vous êtes dans Tokyo et que vous faites attaquer, vous avez le choix de céder votre place ou de rester dans Tokyo. Si le zygosaure décide de céder sa place, il va retourner en dehors. Le kraken va prendre sa place. Comme il vient d'entrer dans Tokyo, il va gagner un point de victoire. À la fin de son tour, comme il a trois cubes d'énergie, il pourrait décider d'aller acheter la carte qui coûte trois. Il va alors dépenser ses trois cubes. Il va acheter cette carte-là, qu'on dit de placer devant lui, qui lui donne un nouveau pouvoir pour se soigner. Il dépense deux éclairs et on va puis une nouvelle carte pour qu'il soit disponible pour les prochains joueurs le Kraken a fini son tour, on s'en va au King, un gros gorille il lance les 6 d un éclair on va essayer de lancer ça, ça. Là, son cœur ne lui donne rien, il est plein on va faire 2 points de dommage au Kraken, parce que c'est le Kraken qui est dans Tokyo, le Kraken va perdre deux points de vie et il va faire trois points d'énergie et il va aller s'acheter la carte qui est ici qui va lui donner un nouveau pouvoir à chaque fois qu'il va faire des points avec trois ou deux il va faire aussi deux points de dommages le kraken décide de rester dans tokyo alors le singe ne peut pas rentrer on rafraîchit ça ici on revient au gigazard qui va, ouf, va essayer de faire des points. Et voilà. Et on pourrait se soigner de 1, puis lancer ça. Voilà. Donc il va faire 3 points plus un autre. Il fait 4 points. Il va se soigner de 1 et il va faire 1 dégât au Kraken. Il fait 4 points, il est rendu à 5. Il se soigne et revient à 10 points de vie. Et le Kraken va perdre 1 point de vie. Il va être rendu à 7. Le Kraken décide de conserver Tokyo. C'est à son tour. Le Kraken va lancer le dé. Comme il est dans Tokyo, il va essayer d'attaquer le plus possible parce qu'il attaque tous les joueurs qui ne sont pas dans Tokyo. Les cœurs ne savent rien. Il ne peut pas se soigner pendant qu'il est dans Tokyo. Alors. Conserver son énergie. Relancer les autres. Et on va relancer une deuxième fois. Il fait donc. Le cœur ça sert à rien parce qu'il est dans Tokyo. Le 3 ça sert à rien parce qu'il est seul. Il va faire deux points d'énergie. Et il va faire deux baffes, deux points de dommage aux deux autres monstres qui ne sont pas dans Tokyo. Alors, chacun des monstres va perdre 2 points de vie. Comme il avait. Commencer son tour dans Tokyo, ça lui faisait 2 points de victoire au début de son tour, que j'avais oublié de mettre. Alors, il est rendu à 3 points. Ce serait alors au roi. Et on continue comme ça jusqu'à ce qu'une jusqu des deux choses arrive, soit qu'un monstre soit rendu à 20 points, il gagne la partie automatiquement, ou que les deux autres monstres soient éliminés dans cet exemple-ci. Si un seul monstre reste vivant à la fin, il est victorieux. C'est comme ça qu'on joue au jeu King of Tokyo. Je vous reviens avec mon opinion personnelle. Qu'est-ce que je pense du jeu King of Tokyo? Si on regarde les composantes, on a le plateau qui est vraiment en carton vraiment épais, très solide, de bonne qualité. Même chose avec les personnages, sont vraiment solides, bien faits, les bases aussi qu'on peut placer. C'est sûr que ça peut endommager tranquillement la force d'enlever et de remettre les bases pour pouvoir les ranger dans la boîte. On a les plateaux de personnages qui sont en gros carton aussi, les roulettes, très bien pensées aussi, de la manière que les roulettes fonctionnent. C'est beaucoup moins compliqué que d'avoir à mettre plein de jetons pour les points de vie, et tout ça, la roulette. Super idée. Les cartes sont même de bonne qualité, même si on n'a pas besoin de les manipuler beaucoup dans le jeu, sont sur la table la plupart du temps. Sinon, on les place devant nous, alors on ne les bouge pas beaucoup pendant le jeu, mais on a quand même fait des bonnes cartes de bonne qualité. Les petits cubes d'énergie, c'est très bien aussi comme ressource. Et les dés, les dés qui sont énormes. On aime ça les jeux de dés, nous autres les gamers. Donc, les dés dans King of Tokyo, vous allez vous sentir puissant quand vous allez les lancer. Ils sont énormes, font du bruit quand ils tombent. Ça fait le feeling des monstres qui détruisent des buildings dans la ville. Super bien. Pour les composantes. Côté artistique, les dessins sont tous très beaux, euh, le plateau très bien, la ville, le design des monstres sont vraiment cool, Ils font euh, des petits clins d'œil à différents monstres de, de différents films ou d'univers connus, euh, comme notre ami le Kraken, euh, qui est <laughs> un monstre mythique euh, qu'on retrouve dans Pirates des Caraïbes, entre autres. On a le à King. Euh, King Kong et Godzilla, qui sont des monstres aussi, qui ont fait des films pour détruire des villes et tout ça. Alors, on s'est inspiré un peu de ça. C'est un beau clin d'œil pour le côté artistique. Pour la complexité du jeu, c'est un jeu qui est très simple, c'est un jeu qui est facile à jouer, qui est rapide à jouer aussi. C'est un jeu qu'on peut apprendre à nos enfants, qu'on peut jouer en famille, qui peut être vraiment le fun avec les enfants. L'espèce de côté compétitivité des enfants, on, la thématique aussi, ils vont apprécier le fait qu'il faut détruire la ville ou qu'il faut euh, détruire les autres mondes, s'éliminer d'un joueur à un autre. Donc ça, c'est vraiment un des concepts qui peuvent être très bien pour jouer en famille avec vos enfants. Le nombre de joueurs se joue de 2 à 6. À 2, ce n'est pas le jeu qui est idéal, je vous dirais. Ça devient plus fun quand on est 3 et plus. Pour moi, 3-4, je pense que c'est l'idéal pour King of Tokyo, pour la durée et pour le nombre de joueurs aussi qu'on est. À 5-6, c'est sûr que c'est le plus long avant que notre tour arrive. À 5-6, on a aussi Tokyo B qui est accessible. Ça fait qu'il peut y avoir deux personnes dans Tokyo en même temps. Les deux personnes dans Tokyo vont attaquer les 3-4 joueurs qui ne sont pas dans Tokyo. Tandis que les joueurs qui ne sont pas dans Tokyo, quand ils vont attaquer, vont attaquer les deux monstres qui sont présents dans Tokyo. Et dès qu'on élimine des joueurs et qu'on tombe à 4, mais la Tokyo B n'est plus disponible, alors on vient avec seulement la ville de Tokyo et les règles d'une partie à quatre joueurs. C'est pour ça que je trouve que 4 joueurs est vraiment à son meilleur, qui est déjà avec seulement un emplacement pour King of Tokyo. Mon appréciation du jeu, je vais lui donner la lettre B. Qui est un bon jeu, un bon jeu de lancement de dés, qui est le fun, qui est facile à apprendre et qui est rapide, idéal pour jouer aussi avec vos enfants. Le jeu King of Tokyo. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à la prochaine et continuez de gagner.